Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la Beautiful Box, je l'ai reçue aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes le 11 mai, je l'ai reçue ce matin, jour du déconfinement, qui commence du coup en beauté. Je vais l'ouvrir avec vous. Tadam, regardez comme il est beau ce coffret, j'adore. J'adore, je le trouve trop beau, c'est frais, la Provence, le petit village derrière, la lavande, j'adore. Trop trop beau. Je vais ouvrir au chat parce qu'elle veut être avec nous. Viens. Tu viens? Viens. Tu viens ou tu viens pas? Si tu viens pas, tant pis pour toi. Regardez comme la box elle est belle. Voyage en Provence, déjà rien que le choix du thème, c'est canon. Vous avez vu comme elle est pleine? Que du taille réelle, que du clean, bien sûr. Vous savez que la Beautiful Box est engagée. C'est parti, on regarde les cartes à jouer qui sont des cartes de visite qui présentent les produits. Je commence par l'étape numéro 1, une routine complète qui a été pensée pour nous. Alors, il nous a été envoyé des Beautiful Discs démaquillants réutilisables. Comme ça, on pollue moins. Hop. Et ce démaquillant, donc de la marque Corem Paris. Je ne connais pas du tout ce démaquillant. Je connais la marque Corem parce qu'il me semble qu'ils m'ont déjà envoyé un autre soir, il y a peut-être il y a longtemps. Mais je ne pourrais pas jurer en mettant ma main au feu, non. Mais le démaquillant, je ne le connais pas du tout. Lotion micellaire de Provence, l'eau bleuée, extrait de lavande, jus d'aloe vera bio. Canon, rien que la compo. Là, tu sais que la lavande, ça a des effets qui apaisent. L'eau bleuée pour les yeux, bon voilà, décongestionne, apaise et lutte. Et l'aloe vera, hein, c'est hyper hydratant, trop trop bien. Lotion micellaire, son odeur fraîche éveille vos sens pendant que ses micelles offrent à votre visage un démaquillage tout en douceur. Trop bien. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Je continue avec l'étape numéro 2. Donc là, c'est le soin qui est offert aux abonnés des mois précédents. Donc c'est un gel douche sans la lavande de Provence et le miel. Trop bien. De la marque, je tourne le pot. L'essentiel de lavande. Alors, qu'est-ce que ça sent? Est-ce que ça sent bon? Ça sent trop bon. Oh là là, ça sent la lavande, ça sent trop bon. Eau florale et huile essentielle de lavande vraie qui apaise, équilibre la peau, le miel, aux propriétés nourrissantes et réparatrices. Extrait de citron vert. On sent ce petit côté citron vert. C'est très très agréable, je l'utilise dès ce soir. D'ailleurs, tout ce que je vous présente dans cette box, je vais l'utiliser et je vous en reparle sur le blog. Je vous donnerai un avis après plusieurs utilisations. Je continue avec l'étape numéro 3. Alors, je ne connais pas du tout. C'est la marque Bioglam Chic, soin préparateur de bronzage avec de l'aloe vera bio. Alors, il est marqué sur la carte, c'est souligné, un must-have activant votre bronzage pendant que vous dormez. Attendez, grâce à son actif naturel activateur de bronzage, l'inositol, il augmente la faculté de votre peau à générer un bronzage radieux. Son effet bonne mine s'intensifie au fur et à mesure des applications jusqu'à l'obtention du hâle parfait. Trop bien, je ne connais pas du tout. Je vous en reparle bien sûr sur le blog. Huile d'abricot de Provence qui illumine et action antioxydante et l'inositol. À découvrir et à utiliser et appliquer le soir, on l'aura compris. Trop bien. Donc ils disent de l'appliquer de façon homogène sur l'ensemble de votre corps et masser jusqu'à pénétration. Utilisez sur votre visage en couche fine pour un joli teint hâlé. Et moi je vous recommande en plus le petit gommage juste avant, comme ça ta peau elle est bien voilà, elle est bien prête et ton hâlé sera encore plus beau. Trop bien. Je continue avec l'étape numéro 4. Nous sommes sur une crème, un soin pour le visage. Crème visage effet pailleté, effet nacré à l'eau pure de Provence, Sainte-Victoire. Alors, à l'intérieur, il y a de l'eau pure de Provence de la montagne Sainte-Victoire, de l'huile d'olive et du beurre de karité. Donc des vertus adoucissantes, nourrissantes, protectrices, assouplissantes, hydratantes et la pureté de l'eau de la montagne. Donc ça apporte un effet, donc ça double l'action, à la fois hydratante et sublimatrice, qui apporte donc de l'éclat et qui repulpe, à tester. Je vous en reparle très prochainement. J'aime bien ce type de produit qu'on ne connaît pas et qu'on découvre comme ça, c'est très très chouette. Et la dernière étape, on passe au mascara. Et ça, je dis oui, j'adore quand il y a du maquillage. Dans les box beauté, c'est vrai qu'en grandissant, c'est mieux que vieillissant, je m'achète de moins en moins de maquillage. Et quand on m'en offre dans les box beauté, je suis trop contente. Voilà, quand on en a sélectionné pour moi, c'est cool. Donc c'est la marque Pure by Valérie, mascara noir naturel volume. Alors, à l'intérieur, il y a de l'huile d'amande douce de Provence, de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba. Et c'est marqué en noir, donc gras. Apparemment, donc la formule allie brosse performante,
et donc la ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une brosse performante qui assure un regard de biche grâce à sa facilité d'application. La juste quantité se dépose, on ne fait pas des paquets. Voilà pour un bel effet voluminateur. Il épaissit vos cils 1 à 1 pour afficher une frange noire intense hyper glamour. Voilà, top, franchement top. Le mascara, j'ai dit oui. Et ça, le mascara qui a été pensé avec le démaquillant, trop bien. Trop bien. Bon bah voilà, je vous ai présenté cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce contenu. En tout cas, moi je suis emballée par le choix du thème. J'adore la Provence. Pour moi, c'est évocateur de plein de choses. Le choix des produits, il y a du gel douche. Ça c'est chouette parce qu'on en utilise quasiment toutes. Il y a un soin que je connais pas du tout à utiliser la nuit pour avoir un petit halé. Et ça, je prends. Le démaquillant avec le mascara, trop bien. Et puis une crème à découvrir, que des marques que je connais pas. Je suis contente, franchement très bon choix. Et puis en plus le thème de la Provence, quoi, c'est juste comme ça, hein. trop bien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, on va se retrouver après ce test sur le blog en cabine les copines, bien sûr je vous encourage à les retrouver. On se retrouve aussi régulièrement sur Instagram, sur le feed en story. Je vous parle régulièrement de ce que je teste. Je vous embrasse, à bientôt sur YouTube pour de prochains moments ensemble, différents thèmes abordés. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, c'est le moment de liker. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de me suivre. À bientôt, tchuss.